Salut les amis, je suis mis sur Smart House. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour votre soutien. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, en tout cas, donc, suite à ma vidéo que j'ai fait sur les passeports et expliquant aussi beaucoup de réalités que j'ai vécues là-bas à Kinshasa. Donc, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas. Je suis vraiment très, très reconnaissant. Thanks so much, guys, for your messages. No, I've received many messages from all over the world. So, I really appreciate it. I'm very grateful. Thanks so much for your kindness. Thanks so much for your love and your support. And yeah, thanks so much. But I'm sorry, but I will be speaking in French to explain the reason why I get stuck in Congo for 3 months. So today in this video, I'm going to explain you guys. But I will be speaking French because yeah, I'm very comfortable when when I speak in French. And this situation is very. It's very big, it's very very large, that's why I need to speak in French. So I'm sorry, I don't know if you put subtitles or notes, but make sure to understand what I would be saying in French. Donc voilà, comme je disais, donc je vais vous expliquer en fait vraiment ce que j'ai vécu à Kinshasa, en tout cas j'ai vu beaucoup de commentaires, en tout cas, j'ai eu beaucoup de commentaires, et des fois ça fait très mal en fait, ça fait très mal de voir que, voilà, des jeunes comme moi en fait, des gens qui ont plus ou moins mon âge, donc ou encore plus vieux que moi, mais qui arrive avec des commentaires très bas, très sales, insultants. Moi, ça me fait très mal en fait, et ça montre combien ce pays a en fait, je sais pas comment expliquer ça. En fait, les commentaires que moi je vis en fait, ça me chagrine, ça me fait mal au cœur, et je comprends pourquoi ces pays en tout cas a un long chemin à parcourir, en tout cas, pour qu'on puisse se relever. On a un très 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 long chemin. Et je pense même la première chose à commencer, c'est ici dans la tête, en fait. Dans la tête, en fait, dans la tête du Congolais. Il y a un sérieux problème ici. Il y a un sérieux problème là, les gars. Pour les gens qui me connaissent, en tout cas, je sais qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui me suivent ici depuis longtemps. Et ça me fait plaisir, en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et pour les gens qui me suivent depuis un certain temps, en fait, je dirais une année passée, hein, il y a les gens qui me suivent dans... Les gens qui me suivent, en fait, depuis même 2020, 2021, disons, ou début... voilà, 2021. Quand vous regardez mes vidéos, les gars, même les gens qui me suivent pas, en tout cas, quand vous regardez la joie de vivre que je partage dans mes vidéos, quand vous regardez la première fois quand je suis à Kinshasa, comment j'ai présenté les pays... Et vous pensez que ces mêmes gars-là, ces mêmes personnes-là seraient là en train de vous mentir avec une vidéo sur mentant sur le passeport. Donc je prends ma caméra, je prends mon téléphone pour faire une vidéo pour mentir. Eh les gars, je suis bloqué à Kinshasa. Non. Non, non. Les gens qui me suivent depuis longtemps, ils ont remarqué qu'à un moment, je postais plus. J'avais enlevé ma photo sur les réseaux. Et même les gens qui me sont, et mes proches, en fait, ils ont même compris que voilà, je postais même plus de photos sur WhatsApp. J'avais un très, très grand sérieux problème que je vais vous expliquer là. Dans ma situation, en tout cas, c'est tellement grave que je voulais pas trop relater aux gens. Je savais même pas par où commencer. Au Banda Wapi. Au Bandawa peut expliquer aux camarades noirs dans la photo que ah moi la main d'exemple au Bandawa ouais en fait. En tout cas je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de messages, en tout cas des gens qui ont peur de rentrer au Congo, en tout cas. Mais écoutez, je n'y perds rien. Je n'y perds rien. Si et seulement si en fait ma vidéo, en tout cas, si et seulement si moi j'ai confirmé votre peur, en tout cas, là vous vous trompez. Si et seulement si ma vidéo a confirmé votre peur, en tout cas, là vous avez raison. Parce que moi, je ne fais qu'exprimer la réalité du pays. Moi, je suis né à Kin. Moi, je suis né à Kin. J'ai fait 20 années à Kin. 20 années, 20 ans de vie à Kinshasa. Dans ma temps, avion dans les bossons, dans ma temps, avion dans mon bimba. Et après, on a eu un poteau, après, on a eu Belgique. Donc, depuis que je suis né, en fait, avion, on a les bossons, on a matin, on a 20 ans pour aller à la Belgique. Avion, on a les bossons, on a matin, on a vie, on a les bossons, on n'a jamais. On a la Belgique. Deuxième avion, on a la matin, on a vie, on a. Deuxième avion, on a matin, on a vie, on a pour la zone à Congo. Est-ce que vous comprenez un peu?
La première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour venir, pour quitter Kinshasa, pour venir en Belgique. Et la deuxième fois que j'ai mis mes pieds, j'ai investi un avion, c'était pour quitter la Belgique pour aller en vacances en Kinshasa. La troisième fois, pareil, j'ai pris mon avion pour rentrer à Kinshasa. Après 8 ans, les gars, après 8 ans en Belgique. Après 8 ans en Belgique. Ma chaîne YouTube, elle est là en tout cas. Allez voir les vidéos, vous allez voir comment j'ai présenté mon pays. C'est notre pays, hein. C'est notre pays en tout cas, c'est notre pays. Même si aujourd'hui ça ne va pas, en tout cas, c'est notre pays. On finira par y retourner, c'est notre pays. Les Congos, c'est mon pays qui voulait pas en fait. Que j'ai pu utiliser des mots assez durs pour la décrire aujourd'hui en tout cas, mais ça restera mon pays. Les Congos, c'est notre mère. Et une mère vertueuse, en tout cas, ne délaisse jamais ses enfants. Donc, allez comprendre ça, en tout cas. Ceux qui pensent que je suis là en train de blaguer, en train de faire de... Hein? Je suis pas là en train de blaguer. Je suis pas là en train de blaguer. Ces problèmes de passeport, c'est un problème sérieux. Et ça date depuis longtemps, depuis des lustres, en fait. Est-ce qu'on peut se rendre compte? Dans un pays sérieux, en fait, on doit passer par des individus pour avoir un passeport. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Et les surcroît. Moi, j'ai 3 passeports. J'en ai 3 là. Et les surcroît, en fait, quand tu dois renouveler un passeport, les gars, on comprend que ça puisse prendre du temps pour les gens qui ont voyagé quand tu es dans le lieu. Mais moi, j'ai déjà mon passeport. Pour renouveler un passeport, il faut être bloqué pendant 3 mois. Et j'ai lu un peu de commentaires là, j'ai lu un peu de commentaires ça et là sur la vidéo où je n'ai rentré pas à Kinshasa. Ah, parce que ça fait chier au Congo, ça snap, nanana, musicien moi aussi. Non les gars, vous connaissez pas la relation qui m'est liée avec eux en tout cas. Si je parviens dire certaines vérités en tout cas, c'est parce que voilà, on a une relation assez intime en fait que vous n'avez pas peut-être. Je suis pas là en train de dire que non. À un moment, les gars, j'ai compris que voilà, ces musiciens, en tout cas, ce sont des hypocrites, ce sont des ingrats. Et je comprends un peu aussi aujourd'hui les combats de beaucoup de combattants aujourd'hui. Je comprends ce combat des combattants. En tout cas, si vous me qualifiez comme un combattant, en tout cas, je l'accepte en tout cas. Mais moi, je combats les bons combats. Je combats les bons combats pacifiquement avec des idées, avec des preuves. Avec du visuel, avec le peu d'influence que j'ai, on essaie un peu de faire changer les choses. Moi, je suis pas là pour cancer et tout comme ça. Je suis pas sur ce terrain en tout cas. Moi, je ne suis pas sur zo, comme ça. Je suis pas dans ça en tout cas. Je combats avec les mots, avec les images. C'est ça ma force. C'est ce que j'ai appris dans ma vie. C'est ça mon talent. Et on va utiliser le peu d'influence qu'on a pour parler. Ceux qui ont peur de rentrer au Congo, en tout cas, et talibine, talingate. Même si je pense que je ferai une vidéo, en tout cas, voilà, pour apaiser un peu les ardeurs. Mais en tout cas, je vous dis ici, en tout cas, ce qu'on a dans le Congo est talingate. Et talingate. Moi, je ne fais qu'exposer la réalité de ces pays-là, en tout cas. Je ne suis pas comme d'autres influenceurs, comme d'autres vlogueurs qui sont là, voilà, à passer leur temps, voilà, à filmer, à ce moment, à filmer leurs assiettes de nourriture, en tout cas, pendant que, voilà, cette population vit dans une misère incroyable. Je n'interdis personne de faire un vlog en train de filmer sa nourriture, en tout cas. Mais moi, je suis parmi ces gens-là qui montrent la réalité. Je suis parmi ces peu de influenceurs congolais, le peu. Je suis parmi le peu qui montrent la réalité en face. Je n'ai fait que montrer la réalité en tout cas. Et si vous avez peur de retourner au pays en tout cas, mes frères et sœurs, en tout cas, désolé de vous décevoir en tout cas, je ne suis pas là. Je ne suis pas là en tout cas. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire du passeport. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'étais bloqué pendant 3 mois. Je vais vous expliquer là maintenant. Donc voilà. J'étais à Kinshasa en octobre. C'est pour les vacances, après beaucoup d'années en Belgique et tout, comme ça, j'ai parti voir ma famille. Je pense que vous avez vu des vidéos, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été bénis, en tout cas, par mes vlogs. En tout cas, j'ai surpris ma mère, en tout cas, que j'aime beaucoup, en tout cas. Sans elle, en tout cas, je ne sais pas, les gars, si j'allais être aujourd'hui, si devant vous, en train de parler devant cette caméra. Donc voilà, j'ai surpris ma mère, ma famille, tout ça comme ça. Donc quand je suis retourné, ma soeur aussi avait envie de retourner, même mon grand frère aussi. Ah ouais, donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de sens. En tout cas, je remercie mon Dieu parce que ces voyages s'est déroulé comme prévu en tout cas.
J'ai beaucoup aimé Kinshasa. Et puis voilà, moi je suis photographe en tout cas. Je suis photographe professionnel en tout cas pour les gens qui ne savent pas. Je suis photographe professionnel en tout cas, c'est mon travail. Voilà, comme je disais en tout cas, la photographie c'est mon travail. Donc la photo c'est ce qui m'a permis en fait de, voilà, de ne pas sombrer en Belgique. Vous savez, quand vous venez de Kinshasa en tout cas, quand vous venez en Europe, il y a le début c'est un peu pas facile. Le début c'est pas facile en tout cas. Vous n'avez pas de finances, vous savez même pas à qui c'est confié, vous savez même pas comment. Et dans mon cas en tout cas, les gars, sans mentir en tout cas, j'avais mes papiers. Donc je suis venu pas avec ma famille en tout cas, donc j'avais mes papiers en tout cas, donc j'avais pas un problème de ce côté-là en tout cas. J'ai pas connu des problèmes en tout cas, mais il fallait chercher de quoi, de quels moyens c'est payer les études et manger. Et là, je dis encore comme ça, en train de rigoler en tout cas, mais à l'époque, c'était pas marrant en fait. Moi, j'ai parti dans une église en tout cas pour aller prendre du temps à manger, les gars. Mister Small, pour moi, on allait l'obé. Là, j'en parle parce que c'est passé, mais à l'époque, c'était pas marrant. Moi, je partais des fois, je pense mardi ou mercredi comme ça, mon père m'envoyait avec mon frère, en fait, aller prendre des choses à manger, aller boire des conserves, relier à l'église. La vie de l'homme. La vie de l'homme. Et ça, beaucoup de vous ne savent pas ça. Et belé boza boi bien goûté. Et belé boza au bout de ma pote, boza ma parent, la bino en tout cas. Hein? Parce que l'homme, comme à 5h, ça va boulot ma casse, il faut pas tchabino bien. Boi bien goûté. Boi bien boza mi kanda la bino. Boi bien pas si bamso à mon été. Et donc, quand vous venez vous insulter comme ça au partant, avant d'insulter, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut mal la peine de l'insulter? Mais est-ce que ces gars ont les mêmes vécu que moi? Boi bien via tout est bandé quoi. Ah, Mr. Small, bon, on allait loin. À l'époque, je ne suis même pas Mister, je ne suis même pas Smart. J'étais Jonathan. Un simple citoyen congolais, un immigré congolais en Belgique. Qui n'avait même pas quoi, même pas un euro pour acheter un truc pour se mettre, pour manger. À l'époque, je ne savais même pas comment payer mes études. Donc, du coup, voilà, j'avais eu la chance en tout cas de faire un job étudiant. Je me suis inscrit dans une école en tout cas. Et voilà, à l'époque, j'avais demandé une demande de bourse, qu'on m'avait répondu favorablement. Et c'est avec le peu d'argent que j'ai reçu de la bourse là, que je m'étais acheté un petit appareil photo. Et c'est là que j'ai commencé la photo. Et c'est la photo qui m'a sauvé en fait des ruses de la rue en fait. C'est la photo qui m'a épargné, voilà, de la vente de la drogue. Du vandalisme, du banditisme, voilà, voilà, c'est la photo qui m'a, c'est la photo qui a sauvé ma vie en tout cas, donc c'est mon travail, donc ça c'est un peu un exemple de ce que j'ai fait en tout cas, donc ça, cette photo en tout cas je l'ai fait, je pense en 2016, un truc comme ça, donc c'est un portrait que j'aime bien, donc si vous avez des mariages, je sais pas, vous avez besoin de faire un shooting en tout cas les gars, je suis un gars très cool, donc mon Instagram est ouvert en tout cas, écrivez-moi en privé en tout cas, donc voilà, c'est encore ça, c'est encore un portrait que j'aime vraiment beaucoup, donc malheureusement, donc que j'ai pas encore mis sur un mur en tout cas, donc voilà, c'est je pense 2016 aussi, 2016 ou 2017 comme ça, c'est un portrait que j'aime beaucoup en tout cas, donc c'est pour montrer que voilà, la photographie c'est vraiment ma vie en fait, c'est mon travail, donc j'ai consenti et je continue à consentir beaucoup d'efforts en tout cas pour mon travail, donc vous voyez, je suis derrière mon, voilà, c'est mon bureau de travail, je passe mon temps ici à créer mes vidéos, à créer mes contenus, à faire mes photos. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous cherchez un photographe, en tout cas pour votre mariage, pour vos événements, pour vos shootings photos, en tout cas, je suis là en tout cas. On verra ce qu'on peut bien faire. Donc la photographie, c'est mon travail. Donc je suis parti à Kinshasa en octobre, je suis rentré. Et j'avais encore un contrat de mariage en tout cas. Gloire à Dieu. Pour moi, c'était parmi les rêves les plus fous de faire un mariage à Kinshasa. Parce que je fais beaucoup de mariages en Europe. Je suis retourné en janvier pour aller faire pour le mariage qui devait avoir lieu en février. Donc voilà. Je suis parti le 2 janvier, je pense. Je pense que je suis parti le 2 janvier, un truc comme ça. Je suis parti le 2 janvier. À la base, je devais même partir avant, au mois de décembre. Mais bon, voilà. Il y avait des trucs de corona et tout. Donc. Et puis les vols étaient annulés. Donc du coup, je suis parti le 2 janvier.
Donc, de la nouvelle année. Donc, je vous explique bien, je suis parti le 2 janvier parce qu'en fait, on n'avait pas encore une date officielle du mariage. Donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, vu que j'ai mon temps avec mon travail et tout, donc, du coup, autant aller avant pour voir un peu comment faire, en fait. J'ai même oublié certains matériels qu'on m'avait ramené par ma soeur et tout, et une amie aussi. Donc, voilà. Mariage fixé pour le mois de février. Donc, voilà. Avant cela, en tout cas, écoutez bien l'histoire. Avant cela, je sais pas où s'est trouvé le passeport, je sais pas là où je l'ai foutu. Wesh. Je sais pas là où j'ai foutu le passeport. Donc voilà. Avant cela, en tout cas, mon passeport, en fait, mon dernier passeport, je ne sais pas si. Pas ça. Ouais. Voilà. Non, c'est l'autre. C'est mon bruit de passeport entre quand Maître Gims. Je rigole. Donc voilà. Je suis parti à Kinshasa en tout cas. Je suis parti à Kinshasa au mois de janvier. Je suis parti à Kinshasa en tout cas. Je suis parti à Kinshasa le 2 janvier. Donc je suis parti à Kinshasa le 2 janvier. Donc voilà. Je suis parti avant parce qu'on ne savait pas quand le mariage. La date du mariage en tout cas. Donc sûrement. On me disait février. Janvier, février. Bon, du coup. Je suis descendu avant là-bas pour voilà. Moi, gloire à Dieu, j'habite chez ma mère. J'habitais chez ma mère en tout cas. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'habitais chez ma mère et tout. Donc voilà, on a fixé la date du mariage. Le mariage a eu lieu en février. Avant cela, il y avait de prédote et tout ça comme ça. On a fait des photos et tout. Donc voilà, ça s'est bien passé. Avant même le mariage en tout cas, en février, j'aurais mis mon ancien passeport. Mon ancien passeport en tout cas. Car j'avais appris que le passeport allait expirer un certain 22 février 2022. En tout cas, les gars, il faut savoir qu'en fait, moi, je n'étais pas rentré à Kinshasa pour aller faire mon passeport. Je suis parti à Kinshasa, en tout cas, pour le travail. Je suis parti à Kinshasa en tant que photographe professionnel. En tout cas, j'étais en mission de travail. Je suis parti à Kinshasa pour 2 semaines. Donc, voilà. Je me rends compte que le passeport va expirer bientôt, en tout cas. Donc, voilà. Il y a une personne, en tout cas, influente dans le gouvernement actuel, en tout cas. Très influent. Qui me connaît très bien en tout cas, qui s'est proposé en tout cas de m'aider à faire les passeports. J'ai dit ok, pas tout ça sera bien en tout cas. Et en sachant qu'il fait souvent ça aussi, hein, c'est une autorité en tout cas, c'est une autorité vraiment influente en tout cas, vraiment influente. En tout cas ici je suis en train de voilà de ne pas voilà comment dirais-je donner un peu son identité. Donc c'est même autorité en fait qui m'avait même épargné en fait de voilà de d'un problème en fait, j'ai tourné une vidéo à la place Victoire. La vidéo va sortir aussi, vous allez voir ça. Voilà, dans un pays où il est rempli de voleurs, il y a un monsieur en cravate qui venait dire des Français. Pff, on a pris mon caméraman, on l'a ramené là-bas à la commune et tout. Quand je suis revenu, quand je suis parti là-bas, c'était un problème et tout. Donc, c'est même lui-même qui m'avait sorti de cela. Donc voilà. N'a pas si à ça un passeport. N'a pas si à ça un passeport. N'a pas si à moins que je me trompe, n'a pas si à ça un passeport le 10 février. N'a pas si passeport dans un cas là. Pour un renouveler un passeport. Donc, passeport est comme un aussi. Le passeport, il fallait aller le 22 février. Na pécié le 10 février avant mariage. À ça, il y a un passeport. Au pécié, mon passeport. Papa, où ça va me conduire, ça va me conduire. Mais il faut informer quand même. C'est mon passeport à moi. Un mois après, sans suite. Bah écoute, je devinais, je me disais, c'est quoi ce truc en tout cas. Je suis parti les voir, l'expliquer, écoute. Les gars, il y a plein, une madame là sur place, comme ça, oui, j'ai. Souvent, les gens qui font les passeports, les gars, quand vous renouvelez un passeport, en tout cas, on donne ce qu'on appelle un coupon. C'est avec le coupon que vous allez suivre votre passeport. Vous allez suivre, en fait, que voilà, ça arrive à cette telle étape et tout, voilà. Sans cela, en tout cas, pas de passeport. Sans cela, en tout cas, ça sera très difficile, en tout cas, d'avoir un passeport. Payez ça un coupon. Vu que c'est une autorité du pays, en tout cas. Vu que c'est une personne en tout cas que je respecte beaucoup en tout cas. Vu que j'ai compris que ça devenait un peu impossible en tout cas, c'est comme ça devenait comme je sais pas comment dire, on dirait que Colandé na Sima, on dirait Zorinine en fait, parce que c'est lui qui a fait mon passeport, j'ai donné 0€. C'est une autorité, il a l'argent. Donc voilà. J'ai laissé sans rien dire. J'ai commencé les nouvelles démarches d'un nouveau passeport que j'ai payé à 250€.
On a fait les démarches du passeport avec ça. C'était parti vite, hein. À un moment, il n'y avait pas de suite en tout cas. Mais écoute, je dis, là, Jonathan, il faut t'élever parce que là, ça sera chaud, ça devenait chaud. J'ai cherché des contacts en tout cas. Donc, jusqu'à ce que j'ai pensé à une amie en fait de Belgique en fait, que je connais très bien, que j'ai appelé, qui directement m'a mis en relation avec une maman en fait. Et la maman qui a pris en charge les dossiers en tout cas, s'est rendu compte qu'apparemment, monsieur Jonathan Kaniki avait déjà fait un passeport au mois de février, effectivement. Et avec ces nouveaux passeports, on a bandé, il y en a moins mars, et ça l'est qu'est, et tout à nuit. Bon, là, je ne sais pas en tout cas. Je ne sais pas si normalement. Après, je ne dirais pas que la maman a menti et tout comme ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne sais pas. Apparemment, des passeports de tout à nuit. Donc, du coup, il fallait supprimer passeport manquant. Pour imprimer manquant comme ce soit. Des passeports de tout à nuit manquant et mon année n'était pas ce qui est mon année. Mais combien de machines à imprimer depuis le 18 mars? Regardez-moi dans quel pays on vit. Regardez-moi où est le niveau embrouillement, au niveau cacophonie, les gars. Là où j'explique mon histoire à moi. Pourquoi je suis bloqué 3 mois à cause du passeport. Apparemment, dans les serveurs, il y a deux passeports. Il y a des passeports avec les mêmes identités. Mais l'autre, là, on écrit apparemment, les passeports sont sortis depuis le 18 mars. Ouais, puis passeport. Passeport exaté. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue au Congo, les gars. Bienvenue au ministère des Affaires étrangères. Et la dame nous a proposé, apparemment, il fallait aller à la Direction générale d'immigration, en tout cas, pour annuler les premiers passeports. Dire que le passeport est perdu et tout comme ça. On a donné 20 dollars pour faire cela. On a donné 20 dollars pour faire cela. Pour que le premier passeport soit tombe caduque, pour laisser place au nouveau passeport, pour qu'on puisse imprimer, pour qu'on puisse sortir. Les gars, on a prié. Les gars, j'ai prié. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai chanté, j'ai manqué même de mots en fait. Et cette histoire que je rencontre en tout cas, la seule personne qui connaissait ça en tout cas, c'était ma soeur et ma mère. Et puis il y a 2-3 amis en tout cas. Même mes amis très 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 proches en fait ne connaissaient pas parce que je ne savais pas comment. Passeport. Toyoka Basango, hein. Toyoka Basango, ah, moutouma qui est potokuna, à moi, la moi, outi potok, qui a koufikuna, qui a outi potokuna, kangamiko. Moi-même, j'ai vécu ça, les gars. Et je vous dis, c'est pas facile. Ce qui n'a moins la moi, la kin, n'a la salle à 20 ans, la kin, n'a juste, n'a comme la niveau, mais ma téléphone, n'a la salle à vidéo, bon, au bano, à bout de ma poto. Bon, au bano, à bout de ma poto. Bon, au bano, à bout de ma poto. Si moi, comme je suis là comme ça, en tant qu'un grand quinois, pour les gens qui me connaissent, en fait, ils savent que je suis moi plus quinois, je suis moi un vrai quinois, un grand voyou, un grand garçon, je suis courageux. Mais si je suis arrivé à un niveau, en fait, où je prends mon téléphone pour parler, que je suis bloqué à ces pays à cause du passeport, mon frère sait que le mal était profond. Vous savez, hein, il y a des larmes dans le cœur, en tout cas, qui n'atteignent pas les yeux. Bah, rouler la main, c'est là, rouler la main. Moi, je suis quitté. 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 C'était ça, frère. Il y avait des larmes dans le cœur en toi qui n'atteignaient pas les yeux. Le mal est profond. Basali Bongo. Passeport Wana le 18 mars et Kouéi. Si quoi passeport à Sika, pour humain. Mes amis, je sais pas, j'ai passé mon temps à prier. J'ai regardé ma mère en tout cas. C'est les yeux de ma mère en tout cas qui m'avaient convaincu en tout cas de continuer à prier. J'ai vu la victoire, j'ai vu la force dans les yeux de ma mère. J'ai reçu une motivation quand je regardais ma mère, je me disais en tout cas, Jonathan, ne laisse pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas Dieu en tout cas. N'abandonne pas en tout cas, tu sortiras vainqueur, peu importe le temps que ça prendra. Ma mère à moi a donné son nom à mon combat. Elle a porté mon combat. C'est ça une mère.
Et je vous jure, si ma mère n'était pas là, si maman n'était pas là, les gars, peut-être bon, ça va mis. Je me retiens un peu de pleurer, mais c'était pas facile. C'était pas facile. La semaine où j'ai reçu mon passeport, en tout cas, on partait tous les jours au ministère des Affaires étrangères. Tous les jours avec ma mère. Maman n'était pas à l'aise, c'est normal, je suis son fils et tout. Maman n'allait plus au travail, en tout cas, c'est qui pardonne la directeur, n'a écoute, directeur, n'a un problème, mon néné. Je sais pas s'il avait expliqué quoi, mais en tout cas, c'est normal. Donc, ma mère ne partait plus au travail. Et la jour, la semaine, désolé, où on a reçu le passeport, en tout cas, les gars, on partait du lundi au vendredi. Je vais vous mettre la vidéo quelque part là. En tout cas, vous allez voir comment moi et ma mère, en fait, on était par terre en train de manger sur les arbres. Parce que tout l'emba qui nous a là, on a fatigué, tout l'y en a assez. Au ministère des Affaires étrangères. Lundi, on est parti pour le passeport. Yara. Mardi, la dame n'est pas là. Mercredi, la dame nous a vus. Ah oui, maman. Dame, on aura un directeur parce que Jonathan Penza, les gars, je venais pâle. J'ai perdu 20 kilos. J'arrivais même plus à parler. Je regardais seulement les choses comme ça. J'étais grave, j'étais vraiment énervé. Vous savez, en fait, c'est préparé, c'est réveillé, c'est lavé, c'est préparé. Ok, placement pour aux élo comme aux amoutés. Donc, pendant 3 mois, dans un là là, na lié, na côté toilette. C'était ça mon quotidien pendant 3 mois, les gars. Tu vas sortir pour aller où? Je me souviens même, en fait, il y a une amie, en fait, Rosemine, que je salue, en tout cas, d'Angleterre, en tout cas, une amie que j'aime beaucoup, en tout cas, sincèrement, Rosemine, en tout cas, God bless you where you are, so thanks so much. I'm really sorry because I didn't tell you the story, but yeah.
Yeah, I really like you. Thanks so much. I really consider you. Thanks so much for being there for me. Donc, qui m'a même écrit et tout. Elle était venue à Kine et tout. On devait se voir et tout, mais voilà. Je l'avais répondu d'une manière en fait. Peut-être elle avait pas bien compris. Elle avait, je suis en train de me condamner. C'est parce que j'étais pas bien en fait. Mais tu vas sortir pour aller où? Yo, on a un bon côté. Non, bimala, qui moi la pote, on a un bon côté. J'avais plus d'argent, les gars. Même si j'avais l'argent. Mais avec quelle force, en sachant que voilà, tu es bloqué là, tu es parti dans un pays, dans ton pays à toi pour 2 semaines pour du travail, mais tu te retrouves à faire 3 mois là-bas. Et les factures. Et les factures, les frères. Ici en Europe, ça rigole pas. Et les factures. J'ai les domiciliations, frère. J'ai des choses à payer. Des factures à 20 euros que tu retrouves à 100 dollars, à 100 euros. À un moment, à Kinshasa, je me disais, en tout cas, Jonathan, il ne faut plus penser à ça. Pense à avoir d'abord le passeport et partir. Je me disais, en tout cas, oh, oui, yeah, je prends mon passeport, je pars. Si, on ne va pas me chasser de la Belgique parce que je n'ai pas payé une facture. En tout cas, même si ça tendre 17 heures, tu te laves, 19 heures, tu pars dormir, tu te réveilles encore. C'était ça mon quotidien pendant 3 mois. Le dernier mois même, j'arrivais même plus à sortir, je ne sortais plus. Oh, mais beaucoup tellement petit mouanio, cabelé, bilambo, cabelé, mambo. Fille, ça, la kid, banini. Au cause, c'est quoi? Ah, naza, pour un business. Oh, le banini, tu veux expliquer quoi? Ou expliquer nini? Sony. Ah, tu expliquer sur le Sony européen, ça va. Les gars, ne comptez que sur vous-même, en tout cas, ne comptez sur personne d'autre. Et je vous dis, je prends cette porte, en tout cas, pour dire qu'en tout cas, Dieu est vivant. Et le monde spirituel aussi est réel. Le monde des ténèbres est réel. Elle a monté ma pire, j'avais pas peur. Je me suis vu encore dans une prière, je disais à Dieu en tout cas, Seigneur, il n'y a rien, j'ai confiance. J'arrivais même plus à prier. Oh Seigneur, non, je disais Menza, mais. Non, ok, Nangaï. Il y a un ami, il y a un petit de moi ici de. Qui habite dans l'entourement en tout cas. Je l'écrivais en tout cas à mon frère. Ah bon, maman, lundi, on est dans l'aéroport. Ah oui, confirmez-moi samedi. Samedi, on m'en a combien. Ah mon frère, non, pousse. Il comprenait pas, il disait, mais smart, à Bali, à Kid. J'ai recevé des messages en tout cas, mes frères. J'ai passé des moments en tout cas. C'était important en tout cas d'être un peu focus dans la prière, focus sur ça. Imaginez lundi. Vous partez, on ne vous dit rien de bon au ministère. Mardi, vous passez votre temps par terre, en tout cas là, et puis à la fin, la dame a Kenaï. Mercredi, la dame te voit et te dit, ah en tout cas, maman, pour l'instant, on a le directeur parce que Jonathan n'a habité Nasuki, même Nasuki. Et en sachant que pendant ce temps-là, en fait, quand on était dans le bureau, en tout cas, excusez-moi un peu, hein, il y avait des gens de toutes sortes qui entraient là-bas à côté, comme maman, bah puisse moi un passeport. Mais je me disais, en tout cas, bah tu vas aller Kinganani. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Mais Seigneur, si ils ont leur passeport et moi, la salle est mini. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je me disais à mon Dieu en tout cas. Peut-être ma marche à Kinshasa n'était pas bonne en tout cas, Seigneur. Mais souviens-toi. Souviens-toi que moi, avec ma voix, qui n'est pas la meilleure du monde, mais moi, je chante dans l'église. Et ça, beaucoup ne savent pas ça en tout cas. Je me suis vu encore, je m'étais dit en tout cas, Dieu, donne-moi un visa pour aller en Europe, en tout cas, je te servirai toute ma vie. Et c'est Dieu-là qui a accompli sa promesse. Et moi aussi, je dois être ferme dans ma promesse en tout cas, que j'ai fait à ces dieux-là. Ceux qui connaissent, en tout cas, chaque dimanche, moi, je chante à l'église, je chante pour mon Dieu. Je n'ai pas la meilleure voix du monde en tout cas, mais Nami Kabi, parce que je suis là, les gars, moi je suis pas hypocrite. Moi je suis pas hypocrite. Lundi, pas de passeport. Mardi, pas de passeport. Mardi, pas de passeport. En sachant que tout le monde, les gens qui entraient là, ils prenaient leur passeport. Mardi, la dame m'a dit en tout cas, voilà son directeur parce que, normalement, Jonathan, je ne devenais pas bien. Écoutez bien, à son directeur mercredi, les gars. Oui, bien, un premier passeport, quoi. Ben, un premier passeport, j'ai dit, vas-y, passeport vendredi. Donc. Dans un pays sérieux comme le Congo, pour avoir un passeport, il faut passer par des intermédiaires. Et si la dame n'était pas touchée par le Saint-Esprit pour aller
supplier, je pèse bien mes mots, supplier son directeur pour intervenir dans mon cas. Dans quel Congo vivons-nous? Dans quel Congo vivons-nous? Et même ça, les gars, on ne doit pas dire. Parce que tout est béton. Dans quel Congo vivons-nous pour avoir un passeport? Vous savez, il y a combien de gens qui m'ont écrit? Il y a combien de gens qui ont raté leur voyage? Vous savez, il y a combien de gens qui n'ont plus de papier? Il y a combien de gens qui ont perdu leur carte de séjour? Il y a combien de gens qui ont perdu leur travail? Il y a combien de gens qui deviennent fous, qui savent à quel sens se voient à cause du passeport congolais? Et ça, on ne doit pas dire. Parce que Mr. Small Eyes a habitué sa communauté, en tout cas, à des comédies, à des histoires viles, à des frivolités qui ne contribuent à rien à l'avancement du pays. Et quand on essaie d'utiliser notre influence, on est traité de jaloux, on est traité de méchants, d'aigris, des menteurs. Les gars, si c'est cela, les qualificatifs que vous m'octroyez, en tout cas, je l'accepte. Pour mon pays, je l'accepte. Allez à Kinshasa, allez voir comment les gens vivotent, allez voir comment les gens végètent, allez voir comment la misère bat son plein au pays. Bande de Rolangaï, aux gens de moi, c'est très important, c'est un bon moment, parce que moi, ça béba déjà. À béba, donc moi si à 13 ans déjà béba. Vous avez 13 ans, vous avez moyen de vous bon bébé. Vous avez 13 ans déjà à béba. À béba, je parle sexuellement. Déjà à béba, venez déjà béba. Aïe, je vais vous dire que vous avez un colon. Vous avez un colon de Simba. Avec tous les anti-valeurs, vous avez un Simba. Vous avez un basi. Moi, j'ai 13 ans, moi, j'ai 15 ans. Je ne vais pas prendre mon colon, mais. Pire que l'équi, au lieu qu'on entend qu'Orobanenyine, c'est payer la vie des moments les plus moroses de son existence. Je l'ai dit encore une fois, le Congo est tombé très très bas. Je l'ai dit encore une fois, je l'assume. Allez en Afrique du Sud, allez voir comment les Congolais souffrent pour avoir les passeports. Allez en France, allez voir comment l'ambassade du Congo est dans un état puté, hein, dirigé par une femme. Qu'avons-nous fait, les gars? Finalement, j'ai reçu mon passeport un certain vendredi. Je croyais même plus, en fait. J'ai reçu mon passeport un certain vendredi. Quand on m'a donné le passeport, en tout cas, j'ai rien senti. J'ai pris ça, j'ai donné ça à ma mère. Maman Fukami, Abano Sambla. Pour ça qu'on est là. Kanda, Nabi, ah! Mais une chose, en tout cas, les gars, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Cette vidéo, en tout cas, je pense que cette vidéo, en tout cas, vous boosterez, en tout cas, rêverez un peu, voilà, hein, les champions qui est en vous, en tout cas. C'est pas pour dénigrer les pays. On les dit, en tout cas, pour faire changer les choses, en tout cas. On vous interdit pas de voler, en tout cas, mais voler quand même intelligemment. Même pour avoir un passeport. Ça, c'est un truc, en tout cas. C'est les seuls documents officiels. Donc, voilà. Donc, les seuls documents, en fait, officiels, internationaux, en fait, d'un Congolais. Les gars, on peut beau insulter Kabila comme on veut. Kabila, c'est pas un bon président. On le sait. Il a pas bien dirigé les pays. Mais au moins, avec Kabila, à l'époque de Kabila, même si on le payait à $250 ou à quoi que ce soit, en tout cas, de toute façon, rien n'a changé parce que les passeports ont les mêmes prix, en fait. Mais avec Kabila, c'était pas genre 3 mois, 5 ans, 5 mois d'attente. Les gens qui pensent que je suis en train de blaguer, en tout cas, allez voir mes précédentes vidéos, allez voir les commentaires, allez voir les témoignages des gens. Il y a des messages, en fait, que je n'ai même pas affiché parce qu'il y a des gens, par pudeur, en tout cas, ils veulent pas s'afficher comme ça. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause du passeport. Il y a des gens qui n'arrivent même plus, en fait, à renouveler leur carte de séjour à cause du passeport. Kabila qui présente ma B. Mais haute aux yeux. Kabila dit que j'aime beaucoup quand bien été. Mais quand même, là, Kabila, passeport, j'aurais bien. Toujours, j'aurais bien passeport. Attends à $250, attends à $300. Et j'aurais quand même matin. C'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Les passeports congolais ne coûtent pas $99. Ça ne coûte pas $99. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Messieurs les présidents, les passeports congolais ne coûtent pas $99. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais ces passeports. Il y a des Congolais
de ton pays qui débourse jusqu'à 500 dollars pour avoir ça. 500 dollars en sésame. On n'est pas là pour dénigrer les pays, on est là pour que les choses changent. Voler de l'argent, mais quand même, il y a des trucs en fait, un beau coffre, ça quand même facile à avoir. Ok, la commune en fait, car après, tu es là, 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 tu es là. Mais pourquoi chez nous on fait les trucs qui sont des qui sont banals ici comme un passe kuna. Un document voiture qui a sobué, ils ont passé. Dans quel Congo vivons-nous? Donc voilà, c'est un peu ça mon histoire, c'est un peu ça la vérité. Donc j'étais pas rentré au Congo pour aller faire un passeport, j'ai rentré au Congo parce que j'étais en voyage d'affaires. Donc voilà, ça vire au vinaigre. Donc voilà. Donc et j'ai même oublié de dire que voilà la personne qui me faisait le passeport Abyssinien en tout cas. Ah, pour sortir du pays, il faut avoir au moins 60 jours de validité dans ton passeport. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne pense pas, parce que en étant congolais, même quand tu es à Kinshasa, même si ton passeport expire le 22 février, si tu as un vol le 20 février, ils doivent te laisser partir. Donc voilà. En tout cas, je ferai encore une autre vidéo en tout cas, mais un conseil comme ça dans la foulée, en tout cas les gars, ne rentrez pas au Congo avec un récépissé pour aller faire un passeport au Congo. C'est risquant. Mais il faut rentrer avec un passeport. Tiens, au moins 2 mois, 1 mois de validité comme ça. Au cas où ça complique, en fait, les gars, passeport, vous avez 1 mois, 2 mois de validité, prends ça, tu pars. Mais ne rentrez pas au Congo avec un tenancier. Ça c'est un conseil. En tout cas, je ferai encore une vidéo sur ça. En tout cas, je vous déconseille, en tout cas, de rentrer avec un tenancier, en tout cas. Je pense que les autorités congolaises suivront cette vidéo, en tout cas. Nous sommes une jeunesse consciente. Nous sommes là en tout cas parce qu'on veut que le pays puisse aller de l'avant. On veut que ce pays, voilà, soit sur des bonnes, soit sur la bonne voie en tout cas. Aidez-nous avec ces problèmes du passeport. Aidez-nous avec nos ambassades. Les ambassades du Congo ne représentent pas la grandeur de ces pays-là en tout cas. Un exemple bête. Allez voir l'ambassade des pays, l'ambassade du Congo à Paris. Les vitres cassées. Les chauffages qui ne marchent pas, des gens qui travaillent au secrétariat à l'accueil, qui travaillent manuellement, qui sont insolents, dans une cacophonie incroyable. Tout ça doit cesser. On a tellement souffert, ce pays-là a tellement souffert, on doit arrêter cela. Donc en tout cas les gars, quant à moi en tout cas, donc voilà, les traumatismes que j'ai subis en tout cas du Congo est très très profond. Le mal est vraiment profond. Donc moi, ma manière à moi, en tout cas, de me soigner sans en parler. Il y a beaucoup de gens, j'ai croisé beaucoup de gens dans mon cas aussi, hein, donc à brousser la porte de Namur, en tout cas, voilà, qui n'arrivent même pas à en parler, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont encore bloqués maintenant au Congo. Nazala, mon maman va bloquer 7 mois. Moi, je suis un jeune, je suis aux États-Unis, je suis en anglais, je suis en couloir, je suis en couloir, je suis bloqué pendant 3 mois. Soro là l'érotique à n'importe quoi, soki à Kenda déjà. Cette situation est réelle les gars, c'est pas de la blague, c'est pas de la comédie en tout cas. J'ai filmé beaucoup de vidéos, beaucoup de comédies, beaucoup de vlogs, vous allez voir ça en tout cas. Mais c'est pas encore le moment, en fait, c'est pas les moments en tout cas. On doit d'abord parler des choses importantes. Je posterai des vidéos en tout cas de temps en temps comme ça, mais c'est pas les moments. Cette situation est réelle. Il y a des mamans, il y a des parents. Hein? Mère en habillement quand même la kin. Il colle le passeport dans la baza. Ah ouais, voyons. Imagine vivre sans maman parce qu'elle est bloquée là-bas. Vous savez ce que ça fait? Vous connaissez les traumatismes? Moi, j'ai croisé un papa à la porte d'un mur qui est bloqué avec. Qui a laissé 2 enfants ici. À 7 ans, 5 ans. À Tiki Bon, ah ouais. À ça bloqué. La passeport, c'est les 4 mois la kin. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez en fait? Vous comprenez comment vous flagellez la population congolaise? Donc voilà. Merci beaucoup à tous ces gens qui m'ont aidé. Merci pour vos commentaires en tout cas. Merci pour le peu de sous que vous m'avez envoyé en tout cas. Merci beaucoup. Donc j'ai des factures à payer, des choses à payer en tout cas. Dieu sait, c'est. Ça prendra le temps que ça va prendre en tout cas, mais bon. On finira par tout payer. Donc.
Donc voilà, c'est pas facile en tout cas. J'ai subi un traumatisme en tout cas pour moi. L'effet d'en parler en tout cas, l'effet d'éveiller les consciences en tout cas, c'est ma manière à moi de me guérir. Donc, mais ça prendra du temps en tout cas pour que je puisse, voilà, accepter cela en tout cas parce que le mal est très profond. Donc, je l'ai dit comme ça, peut-être un peu sur le fait de la colère que je retourne au Congo dans 2 ans, 3 ans. Bon, c'est comme ça. C'est. Voilà, j'ai subi un traumatisme, mais bon, voilà, c'est. Donc voilà. Ça fait très mal. C'est notre pays. On y retournera, en tout cas, mais pas pour le moment, parce que j'ai subi un traumatisme. Je suis vraiment désolé, en tout cas, si mon témoignage, mon vécu, voilà, stress. Stress. Beaucoup de gens, en tout cas. Donc, je suis obligé de vous dire la vérité. Donc voilà, en tout cas un très grand merci. Merci beaucoup, en tout cas je suis vraiment très reconnaissant. Merci beaucoup pour tout. Donc voilà, c'est un peu ça la vraie histoire que j'ai vécue à Kinshasa. Donc et prenez soin de vous, en tout cas courage. Et les gars, si vous avez l'opportunité en tout cas de changer la nation, en tout cas, donc il faut le faire en tout cas. Cela ne vous enlèvera pas le Congolais qui est en vous en tout cas. C'est juste un papier. Donc voilà, c'est juste pour voilà pour être en sécurité ici, voilà pour voyager sans problème et tout. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tout. Donc c'est mis sur Smile Eyes en tout cas. Donc suivez-moi sur tous mes réseaux. Donc qui porte le même nom, Mister Smile Eyes en tout cas. N'hésitez pas en tout cas de me laisser un message en tout cas en privé encore dans les commentaires en tout cas les gars. Dans la politesse en tout cas. Donc que mon Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup. Donc moi je suis rentré, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont encore bloqués là-bas. J'espère que la situation va se décanter. En tout cas, un grand merci. Grand merci. Continuez à partager les vidéos. En tout cas, on fera de notre mieux. En tout cas, pour faire entendre notre voix. En tout cas, merci beaucoup.